14 avril 2020. Tranche de vie à Saint-Lin. En dedans d'une période de 16 heures, hier, je suis passé ici vers 20 heures. Présentement, il est midi. Le niveau a sérieusement monté. On se rapproche des niveaux de 2019, l'année passée, au mois d'avril, vers la fin avril. Là, on est à la mi-avril. Hier, il a mouillé pas mal hier. On a vu les résultats maintenant. Allez voir ça un peu plus loin. Là. On peut voir ici les barricades. Les barricades sont à l'eau. La rampe pour les bateaux est complètement submergée. Il y a de l'eau jusqu'au début du stationnement. On a... ça roule, ça rivière, là. Le courant est passablement fort. On peut même voir, ici, là, il y avait comme les tuyaux électriques. Je ne sais pas quoi que ça, ça doit être un bidule électrique, je ne sais pas trop, en tout cas. Il reste à peu près 6-7 pouces. Même pas 5 pouces. Puis ça va déborder ici. Ouais. Ça monte. On peut voir, c'est pas tout à fait au même niveau que l'année passée quand que ça. Et on est rendu à la passerelle. Le niveau rendu à la passerelle, il y a un tronc d'arbre qui est accroché après la passerelle. Je ne sais pas comment ils vont se débarrasser de ça, probablement couper un morceau, mais là, il va bien se passer là, ça c'est clair. Tous nos artistes. Pas mal ça, hein? Pas mal dedans. Je serais même pas surpris que cette pluie de mon niveau peut-être monter plus que ça. En tout cas, il y a de la vague qui remonte jusque là. Ça va être à suivre aujourd'hui. Incroyable. On va aller sur la passerelle à partir d'ici, pour peut-être devoir aller de l'autre côté, par l'hôtel de ville. Incroyable, le débit, là. Quelque chose. Vu à partir du pont, je pense que le débit fait juste continuer de monter. Côté est du pont, vers les Chiens, direction Saint-Roch. On va avoir de l'eau à Saint-Roch, ça c'est certain. Ah, le débit, quelque chose. Ça c'est la passerelle jusqu'à ce que je vais aller de l'autre côté pour aller en dessous du pont parce qu'il y a ce que je décide au milieu de ça. Maintenant, vu de la passerelle, encore, on est comme pas mal proche. La passerelle ici, elle vibre comme si on serait sur un bateau. C'est assez particulier.
quelques jours, quand je suis venu, on voyait les graffitis 2018, 2019, manquait le 2020, t'as pas fait, mais là, il y a de l'eau par-dessus. Ça donne une idée comment ça s'est monté. La rivière est large, elle est élargie, ça a plus que doublé. Ça ressemble beaucoup en avril, fin avril 2019. Sur les autres vidéos, même celle d'hier soir, on voit que le tuyau ici, là, il y avait quand même... l'eau était une couple de pieds plus bas. Là, l'eau, elle ne rentre pas dedans, mais c'est propre pas mal. Le tourbillonnement de l'eau, là. Le tourbillon, comment ça passe pas dessus, là. Là. Et l'air, c'est que ça pue, ça a dû monter plus que ça parce qu'on voit qu'il y a des débris sur la passerelle. Ils n'ont pas atterri là. Pas les oiseaux qu'ils ont transportés. On peut voir que ça a baissé un petit peu. Je dirais presque d'un pied. On va voir plus tard. Là. On va venir faire un tour. Pour l'instant, ça a baissé d'à peu près ça un pied. On compare avec un matin. C'est encore formidable, le débit. Ici, ça fait quand même des bonnes... bonne cascade. 20h, 14 avril. La rivière a définitivement baissé tout ce matin. Ça devrait être correct cette nuit. Demain, on va venir voir ça. Je pense que le gros de la pluie et tout ça a passé. Ça devrait se stabiliser. On a définitivement mis une C
semi-libre là, mais bon, c'est correct. Ce matin, il y avait de l'eau jusqu'ici. Là, ben, on peut dire un deux à trois pieds plus bas. Et voilà. À la prochaine.